La Tunisie, c'est quand même important, intéressant pour nous. Et nous avons un autre rôle. C'est pas seulement les mots, comme disait lui. Moi aussi, je trouve que les mots, c'est terriblement important. Mais vous savez, nous votons aussi le budget. Le budget qui veut dire de l'argent qui vient de nos citoyens, de nos contributeurs, et qui aide aussi différents pays du voisinage. Vous êtes du voisinage du sud, on a aussi nos voisins à l'est. Et donc, maintenant, vous avez l'occasion de nous expliquer qu'est-ce que vous voulez faire. La question, en fait, que vient de poser monsieur est assez pertinente, parce que nous, en fait, la problématique qu'on a, c'est comment développer ce qu'on fait et comment continuer à motiver les raisons qui nous ont amenés à faire ça. Donc, nourrir cette motivation en permanence, c'est un travail, déjà. C'est-à-dire la pérennité, en fait. La pérennité est très complexe dans des pays où l'infrastructure nous demande fournir un effort supplémentaire à chaque activité, à chaque action qu'on souhaite mener. Au niveau de l'État, il faut comprendre que la relation entre le ministère de la Culture et la société civile tunisienne, elle est régie par une loi donc de 2014 qui est régie pour les financements publics pour les associations. Et justement, cette loi-là, en fait, limite les collaborations entre le ministère et les associations. Il y a uniquement trois modalités de collaboration, à savoir un financement direct, un financement indirect, et donc l'association rentre en partenariat avec le ministère, n'importe quel ministère, et l'association a le droit de répondre à des appels d'offres. C'est une loi aberrante, parce que quand les gens forment une activité culturelle, ils peuvent attendre 5 mois à 6 mois pour être payés par quelqu'un qui n'a aucune compétence dans l'activité culturelle. C'est juste un comptable qui existe et qui, lui, va demander et peut ne pas vous payer parce qu'il dit non, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et ça, c'est arrivé. Et donc, c'est des lois comme ça qui sont